bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, on est content d'être là avec vous pour cette première de Sandeck, qui est un jeu de mots... Incroyable. Allez, c'est parti. Et c'est un vrai. Faut pas jouer avec mon petit cœur comme ça. On l'a fait. Compte à rebours. Et voilà, et là c'est le OTK du coup. D'ailleurs on a pioché mais encore tellement de cartes qui auraient pu nous servir. Et ben voilà, GG encore un combo réussi. Bah ouais, c'est cool. Et content de ce deck, assez content de ce deck. Oui, j'ai bon. Donc ça c'est bien. Il va au bout. Bon donc. Léo, voilà. Est-ce que ça vole? Attention mesdames et messieurs, est-ce que ça vole? Alors voyez. Je veux pas voir ça. Et merde. Alors moi ce que j'aimerais bien faire, c'est que tu mettes une de nos créas et que tu la primantes. Allez, soyons fous, ça on fait vraiment les... Ouais, on va créer des propres... Ah non, je suis en train de n'importe quoi. On va en finir. Ou alors, on tente le tout pour le tout, et on roulette ses bêtes. Faut faire 6. Ah, pas loin, 5, dommage. J'avoue que c'était ballsy. Bon, 2 fois 5. C'est littéralement 2 fois la pire chose qui aurait pu nous arriver. Allez, la ligne du gros. Chacha. Ok, c'était chacha. C'est bon, on a fait le bon move. Pour une fois, le chat est en accord avec nous. Non, c'est baba, gauche-droite. Mais après, je fais droite-gauche, ça marche pas. Oh! Regarde! Il a marché! On va faire ce que j'appelle, attention marque déposée, du speed decking. 8, 7, non, arrête. 5, 4, 3, 2, 1, stop! J'ai 45 cartes! Cette semaine très particulière, on est avec Tot, qui a accepté mon invitation. Ouais, au dernier moment. Je sais pas s'il est sérieux ou pas du tout. Je sais pas. Ah, bon. C'est la première fois que je parle à quelqu'un comme ça. C'est la première fois qu'il y en a un qui doute. Donc ça tombe quand même bizarre. On est en live avec Cam cette semaine. On enchaîne après. On a la chance de vous avoir tous les deux. On y va, c'est pas grave. Non, pas sur Fléau, tu vas piocher encore plus. Ah, oh, mais je joue comme une. Vite, t'as plus le temps. Non, me mets pas la pression, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il va passer le tour. Je vais rien faire. Tu pourras faire poussière tempo sur le mec de gauche. Wow. Mais si tu feras poussière tempo sur le mec de gauche, et au moins t'auras 5 heures et la partie démarre. La partie démarre avec un 9 ou 100 moins. C'est pas grave, ça. Alors, je commence à comprendre pourquoi Xelor c'est pas vraiment ma classe, tu vois. Et ce soir, on est avec Dr. Matt Turkey. Dr. Foldown, pour les Américains. Dr. Foldown pour les Américains. Est-ce qu'on le joue? Ok, monsieur, si on la joue pas, qu'est-ce qui se passe? Super, donc moi ce que je peux te proposer, c'est qu'on la joue. Ah, du coup, par exemple, si tu fais le roulage de pelle sur Hacham, est-ce que ça fait proc, ça enlève le bouclier ou pas? C'est pas besoin de vérifier? Bon, on teste. Vas-y. Oh. Et ben, je crois qu'il y a... Bon. Cool, chat, ils vont faire un ticket là. Joyeux Halloween! Oula. Non! Pourquoi tu oses? Excusez-moi, il faut que je me calme. Julien a dit qu'il répondait à toutes les questions, profitez. Est-ce qu'il y a des nouvelles infinites dans le prochain patch? Oui. Est-ce qu'il y en a 2? Non. Est-ce qu'il y en a 3? Non. Est-ce qu'il y en a 4? Non. Tu peux avoir 2 infinites, même pas 15. Non, tu peux avoir 3 infinites.
Même pas 15. Oh non, ce film, ce moment, franchement, je crois tellement que long, j'en pouvais plus, j'ai accéléré, j'en pouvais plus. J'en ai déjà dit ça aussi incrédule que nous. Ça va, on n'est pas les seuls. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je viens sur le stream, ça y est. C'est bon, on a gagné. Alors attends, faut pas que je me gourre. Si tu veux, tu peux tuer toute nos créas sur cette Allez, un GG. Je vous présente donc mon deck Flocon de Neige. Pourquoi Flocon de Neige? Parce que chacun est unique et précieux à sa manière. Et mon deck Flocon de Neige, c'est un deck de 45 cartes. En un exemplaire chacun. Je précise quand même que j'ai fait un SRAM, donc un type avec un crâne, mais qui est sur un crâne, qui est sur un crâne. Ah, ouais. C'est la meilleure combinaison de crâne qui soit. Mosquito, c'est létal. Ouais, Mosquito, c'est létal. Pourquoi? On aurait fait Grey Destruy et Mosquito, je pense. Mais ça marche aussi. Ah, c'est l'état. GG, ouais, tu sais gagner, hein. Je... impressionné. Bienvenue dans cette émission de 100 decks un peu spéciale parce que on va jouer Féka. Ah. 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 Le bon 6. Je crois qu'il va falloir trêve. Hein. Ah, bah bon, bah c'est GG. Voilà. Le double 6. J'ai comme l'impression que ce deck ne m'aime pas bon. Aujourd'hui, jour particulier, stream particulier, émission sans deck exceptionnelle. Nous sommes avec Nascan. Salut. Si vous ne le connaissez pas, c'est en effet un des CM de Dofus. Allez, regarde, on va gagner sans perdre un seul Dofus. Oh là là, mais ça c'est un succès. Mec, alors attends. 100%, c'est parti. On n'a pas le temps. C'est ça, un faux fake. On l'avait dit. C'est le GG. Voilà. Ben là, il faut encore que ce soit pas vrai. L'excitation est incroyable. Allez. Les studios sont en délire. Attention. Alors, si ça passe, nous sommes très heureux. Alors, il est sur sérieux. Non, mais désolé, on l'avait attends. Bien vu. Ça, allez. C'est un vrai. Voilà. Alors, quand ça commence par un vrai, en général, ça se passe pas bien. Pour l'instant, j'ai une expérience. T'es négatif, hein. Ah. J'avance de 1, bim. Une gelée. Et ça booste. J'avance de 1, bim, une gelée, et ça booste. J'avance de 1, bim, une gelée, et ça booste. Bon allez, de toute façon, comme cette partie est très mal partie, on va s'amuser un petit peu. Ouf, oh waouh, bah dis donc, c'est un chouette placement ça, je suis trop heureux de l'avoir fait. Bim, petite armure, ce serait bien. Non, un dégât formidable. Voilà, et bien, es-tu impressionné par mon niveau? Ah bah là, ébloui. Ouais. Je sais pas si j'aurais fait mieux. J'ai tenu 5 tours. Et ben... C'est terrible. C'est bon. Et bah je pensais à faire orbe et concave. Ouais, tu peux faire ça, c'est marrant. J'avoue. Par contre, je peux rien soulever. Ouais. Alors, personne n'a vu ça. Bien sûr. Vas-y, joue poli, hein. Joue poli. Tu tues tout son board. Et c'est tout, il a perdu, là. Non, peut-être refaire un du fourrage pour rigoler, comme ça il va tout reposer. Et après, on fait poli. Tu vois? Sauf s'il est bien. On le maltraite un peu. Il va... Ah, il a craps, non. C'était sa dernière carte. Ah. Ah. Mais c'est abusé. Mais non! J'y crois pas! 57 PA, ça devrait être interdit, ça, monsieur. Ah, il tente, avec Masque Man. Oh, peut-être que c'est un OTK Meul. Pas un OTK Prism. C'est un OTK Meul. Tu t'es complètement défendu contre le mauvais truc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer... Merde, tu louches, comment ça, je louche. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons bientôt avoir des phoques sur Crossmaca. Il aura eu son phoque, exactement. Alors, ne vous excitez pas, nous n'allons pas vraiment la sortir en jeu pour l'instant. Et si tu gagnes, du coup, tu mets le serpent? Pas du tout. Ah, si tu perds, tu mets le serpent? Pas du tout. Donc, parce que dans aucun des cas possible à ton imagination, je mettrai ça. Je répète le défi de ce soir. Si nous gagnons, nous donnons des cadeaux
si nous perdons, Poul porte le serpent. C'est faux. Si nous gagnons, on nous donne des cadeaux. Et si on perd, on nous donne des cadeaux. Ah ouais. Ça, on m'avait pas prévenu aussi.